je devais fumer devant le social club rue Montmartre. Et, ouais. Et en fait, il y a un commissariat dans la rue juste à côté. Et moi, j'avais pas fait gaffe. Et je fumais devant le social club avec 2-3 personnes. Et puis, il y a un flic qui arrive. Hein. Puis moi, vraiment très détendu, je continue de fumer mon pétard, en fait. Et il me dit, mademoiselle, je veux savoir ce que vous fumez. Bravache, j'ai répondu, c'est de la bonne beuh. Bravo, vous avez très vite réagi. Moi, j'ai pas réfléchi, en fait. Et il m'a embarqué au commissariat qui est juste à côté. Il m'a confisqué mon joint. Et on m'a fait faire une déposition devant le commissaire qui était en fait atterré, qui a dit à son brigadier, je sais pas comment ça s'appelle, policier qui m'avait ramené, genre vraiment t'as que ça à foutre que de me ramener des petites jeunes filles qui fument des pétards dans la rue. C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du monde. Et il avait quasiment rempli la déclaration à ma place, en mode on me l'a donné, je sais pas ce que c'est, j'avais jamais fumé de ma vie, voilà, signez là, bonne soirée mademoiselle. Et on m'avait rendu mon joint avant de partir au commissariat. Ah ouais ? Non, si. Oh ! Et je me suis dit quand même, c'est vraiment ça le privilège blanc, quoi. Le privilège aussi de femme blanche. Notre invitée du jour n'a donc absolument jamais eu peur de la police dans sa longue carrière de fumeuse. Et pourtant, elle était terrifiée à l'idée de parler publiquement de sa consommation. Peur d'être jugée parce que femme. Et il faut dire que les questions de genre l'intéressent tout particulièrement. Journaliste, essayiste, podcasteuse et surtout féministe. Vous comprenez, cette fille est dangereuse. Trop dangereuse. Vous l'aurez compris, Lorraine Bastide est notre invitée. C'est le 22e épisode de Banana Kush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? Des bananes. Vous en voulez ? Oh non, merci. Moi, avec plaisir. Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau ! Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. La femme que nous recevons aujourd'hui est devenue en quelques années une figure du renouveau de la parole féministe. Après une dizaine d'années passées à explorer les rapports entre mode et société au magazine Elle, un détour par la télévision, au grand journal de Canal+, Lorraine Bastide lâche tout en 2016 pour créer le podcast féministe français par excellence, La Poudre. Depuis 5 ans, épisode après épisode, elle y converse longuement avec des femmes de tous horizons, des artistes, des intellectuels, des politiques, des militantes, des chercheuses. Lorraine Bastide tend le micro aux femmes, alors on a eu envie de renverser les rôles et de faire pareil, tendre le micro à une femme, en l'invitant dans notre podcast à nous, Banana Kush. Elle a pris place dans le fauteuil de l'invité et on s'est bien marré, on a bien réfléchi aussi, en discutant avec elle des 90s, du cannabis, de politique, de féminisme. Banana Kush, la, 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 la. Camille Diao, la, 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 la. Christophe Payet. La, 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 la. Bonjour Lorraine Bastide. Salut Camille, salut Christophe. Salut. Bienvenue dans Banana Kush. Merci. Et on est très heureux que tu sois là, parce que ça fait quelques temps finalement qu'on discute ensemble de la possibilité de te recevoir dans notre podcast. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as décidé de venir finalement après avoir longtemps hésité ? Ouais, c'est vrai que j'ai bien tourné autour du pot. mais en fait je vous écoute moi depuis quasi le tout début. Je crois que je vous avais fait signe pour vous dire que votre émission était super et c'était un petit hint pour vous faire comprendre que moi aussi je suis partie de cette communauté de fumeurs, de fumeuses de cannabis et je pense que c'est pas facile en fait quand on est une femme, j'ai l'impression. D'ailleurs vous avez fait une émission qui était super bien sur les femmes et le cannabis. Je pense qu'il y a une forme de stigma en fait sur la consommation de cannabis pour les femmes qui faisait que j'avais un petit peu honte, je pense, de l'assumer publiquement, un petit peu honte d'en parler. SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Simplement pour vous dire qu'une fille qui fume est une fille qui nique. Pourquoi ? D'après le théorème de Pythagore, t'es une pute. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pour sortir dehors, je mets des mi-chaussettes, des claquettes de pute, là, avec la fourrure de pute, leur porte-clés de pute, avec leur boule de pute. Très très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions. Puis là, donc, vous avez réitéré l'invitation il n'y a pas très longtemps. Du coup, je me suis reposé la question, j'en ai parlé un peu dans mon entourage, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée ou quoi. Et puis il y a pas mal de personnes, 2-3 personnes qui m'ont dit
tu vas gâcher ton image, si jamais un jour tu veux faire une carrière en politique, je sais pas quoi. Jean-Claude, pense à ta licence. Les gens ont des grandes ambitions pour moi. ça va être très néfaste pour toi, etc. Enfin, et du coup, ça m'a poussée à réfléchir, en fait. Finalement, qu'est-ce que ça va casser de mon image exactement? Qu'est-ce que ça va questionner de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai écrit, enfin, de qui je suis, en fait. Tu le sens pas, là? Eh ben, le fais pas, t'as raison. Et ce qui m'a décidé à vous dire oui, c'est que j'ai consulté une personne que je suis sur Instagram. Je vais l'outer, je pense qu'elle est d'accord. Son compte Instagram, c'est Lobby Gwyn. Elle s'appelle Clémence. Et je sais qu'elle consomme du cannabis, elle aussi, parce que de temps en temps, elle a fait des petits mèmes un peu marrants qui me font bien rire. Et je lui ai demandé son avis. Et elle m'a dit, fais-le. C'est hyper important que tu le fasses parce que justement, on manque cruellement de représentation, en fait. On manque énormément de discours. Et il y a un tas de stéréotypes qui sont produits sur les femmes et le cannabis, alors qu'il faudrait les briser en amenant des récits individuels. C'est toujours la même histoire. Hein. Donc je me suis dit, d'accord, alors je vais le faire. Alors tu précipites pas le mouvement, hein, tu le laisses bien venir de l'intérieur. Ça doit venir de très loin, c'est japonais. Alors, est-ce que tu as l'impression de faire une sorte presque de petit coming out aujourd'hui, là, en parlant de ça? C'est carrément l'impression que j'ai, ouais. C'est mon coming out. Ouais. Bah écoute, on pense tous les deux que c'est le bon endroit pour le faire. Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. C'est notre petit secret. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. On commence par notre question traditionnelle. Quelle fumeuse es-tu, Lorraine ? En ce moment, je suis une fumeuse abstinente. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Et je trouve que c'est important de dire quand même que c'est bien de ne pas fumer. J'ai pas envie de donner l'image c'est génial fumer du cannabis, ça va faire de vous une super féministe, une super journaliste ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Enfin, il y a des gens à qui ça convient pas. Et puis moi, ça m'a pas fait que du bien. Donc en ce moment, j'essaye de pas fumer de cannabis. Alors je me rattrape sur la CBD, la CBD ou le CBD. Le Nous, CBD, dit-le, c'est mais le je cannabidiol. Sais pas s'il y a de règles. Je crois que sur le CBD, l'Académie française a pas encore tranché. En fait, je m'exprime. Il y a la box Wi-Fi et le Wi-Fi. C'est pas parce qu'on dit la box Wi-Fi qu'automatiquement on doit dire la Wi-Fi, non. Donc ouais, en ce moment je ne fume que de la CBD et parce que voilà, donc je fume pas de THC depuis quelques mois. Mais mine de rien, c'est une relation quand même assez longue quoi, qui dure depuis 25 ans. Depuis 25 ans, ouais. Ça a commencé comment ? Ça a commencé par du shit marocain bien gras en 95 dans une petite ruelle derrière la rue des Carmes à Orléans. Okay. C'est très précis. J'ai un souvenir très précis de mon premier joint, c'est drôle. T'étais avec qui ? J'étais avec des potes d'école, quoi, des potes du collège. Ce cannabis adolescente, il était quand même très rattaché à tout un univers musical. Moi, j'étais un peu dans la bande des skateurs. Donc, on écoutait du rap, on écoutait du raga, du reggae, évidemment, énormément de Bob Marley. et donc, ça allait avec, quoi. C'était dans le package, en fait. Hein. Il fallait avoir son petit ami skateur qui avait le froc qui descendait jusqu'au milieu du cul. Et puis, il y avait des soirées très, très enfumées où on fumait beaucoup, beaucoup de shit, où il y avait des bangs qui tournaient. Et voilà, c'était l'univers des années 90. C'est très années 90, tout ce que tu dis. Ouais, vraiment, quoi. J'ai encore des espèces Cypress Hill là, qui résonne dans mon esprit, genre Bomberi bye bye, c'était vraiment ça mes soirées d'ado quoi. Bomberi bye bye. Mais j'ai 13 ans, fais pas chier. Et donc ça t'a séduit immédiatement ou c'était plus des expérimentations d'ado finalement? Ça a très vite collé très bien avec moi le cannabis en fait, et je saurais pas très bien l'expliquer, j'ai jamais trouvé d'explication vraiment rationnelle à pourquoi le cannabis me va bien. L'alcool par exemple me va pas, je tiens pas du tout l'alcool, j'étais vraiment déjà célèbre adolescente, célèbre, j'avais déjà une réputation de au bout de 3 bières je m'effondrais sur la table, mais par contre les pétards ça, au contraire ça a toujours été plutôt... l'ouverture de plein de portes de perception, de créativité, de rire. Enfin, ça a tendance à plutôt m'éveiller en fait qu'à m'endormir.
Et donc j'ai très vite beaucoup aimé ça. Et puis quand j'y réfléchissais avant de venir vous voir, j'ai réalisé que au fil de ma vie, j'ai toujours eu des amitiés très fortes en binôme en fait avec des fumeurs. Je sais pas si c'est un truc que vous avez parfois identifié dans vos intervenants. En binôme, pas particulièrement. Enfin, j'ai pas été un souvenir. Non, mais moi j'ai l'impression que c'est une pratique qui se fait souvent soit en groupe, si tu te retrouves dans un groupe de fumeurs et forcément t'es embarqué dans un truc qui fait partie de la sociabilité de ce groupe, soit en couple, il y a beaucoup de couples de fumeurs, ça revient beaucoup, mais c'est vrai que le binôme d'amis, pas forcément. Bah moi j'ai eu des amitiés tout au long de ma vie, je peux identifier vraiment 3-4 figures d'amis, amis ou amis eux, avec qui j'ai une relation très exclusive. Qui était basée vraiment sur la consommation commune de cannabis. Donc j'avais une copine comme ça quand j'étais ado, on était super fusionnels. D'ailleurs avec le recul, je pense que c'était une amitié qui était un peu amoureuse quoi. Hein. Et on fumait, voilà, on était les deux filles à fumer des pétards. Et je pense que ça nous conférait d'ailleurs un statut un peu à part. Mmh. On était les filles qui savaient rouler, on était les filles, on avait la boulette dans notre poche, nous aussi. Quoi. Donc, je sais pas, je pense que j'aimais bien le statut que ça me conférait. Et puis, depuis toutes les deux, on était bien, quoi. On se faisait des délires. On regardait, à l'époque, on regardait MTV, je crois. C'est vraiment, je me propose un congé vintage. Et voilà, et puis après je sais que quand j'étais à Sciences Po à Strasbourg, bah, j'avais un peu le même genre de copine, pareil, une copine avec qui je me suis liée très très fort, qui est d'ailleurs encore ma meilleure amie. Et pareil, ce qui nous reliait, c'était le cannabis, quoi. On fumait des pétards dans ma voiture le soir, jusqu'à pas d'heure. Donc voilà. C'est un roman d'amitié. C'est marrant, qu'est-ce qui relie d'après toi dans le cannabis comme ça, dans la relation que tu peux avoir à un ami, c'est quoi? C'est le côté rituel, c'est, qu'est-ce que vous Je pense que ce rituel il est très important effectivement, ouais. D'ailleurs je pense que c'est quelque chose, c'est ce que je préfère dans le cannabis, le rituel. D'ailleurs c'est pour ça que je me sers de la CBD, c'est pas parce que ça m'apporte pas des sensations comparables, par contre j'ai quand même le petit moment d'effritage de mon petit truc vert dans ma clope roulée et ça me fait du bien je crois. Et puis je pense qu'aussi quand on vit beaucoup de moments défoncés ensemble, on atteint un niveau d'intimité en fait vachement fort quoi. Quelqu'un avec qui t'as beaucoup fumé, c'est quelqu'un qui te voit dans tous tes états quoi, qui connaît tes états émotionnels les plus joyeux, les plus dark. Donc je pense que ça tisse des amitiés qui sont fortes quoi. Banana Cush sur Nick, la radio. I'm a banana, I'm a banana. Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles. Et est-ce que tu as aussi une consommation solitaire? Et si oui, dans quel genre de moment et avec quel type d'usage? Bah, ces dernières années, ma consommation était beaucoup plus solitaire parce que c'est une consommation, je dirais, créative qui est devenue beaucoup plus occasionnelle aussi. Mais je sais que les bonnes idées, je les ai en général après avoir fumé un pétard. J'aime bien lire en ayant fumé un pétard. J'aime bien regarder un film en ayant fumé un pétard. J'aime bien l'état, comme dit Liliane Rovert, ça dispose. J'ai adoré cette phrase. J'ai écouté l'épisode, j'ai dit c'est ça. Ça dispose, ça met dans un espèce d'état de disponibilité, je dirais, enfin en tout cas avec moi, qui me rend peut-être plus sensible à certains détails, qui me permet de faire des connexions entre elles. Mais tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Et ce que dit Liliane Rovert, enfin elle dit avec beaucoup de poésie effectivement que ça dispose, mais elle dit aussi que ça ne nous apportera pas ce qui n'est pas déjà en nous. Ouais, ça j'ai trouvé ça super bien vu aussi. Je pense qu'effectivement ça dispose à ce à quoi on est un peu préalablement disposé, et je crois que je suis déjà préalablement disposée à l'écriture, à la lecture, et que du coup effectivement ça exalte un peu ces qualités que je peux avoir, et il y a un truc qui est assez agréable, ouais. Au-delà de cet usage récréatif et créatif, est-ce que tu as d'autres usages plus
thérapeutique ou bien-être, soit physique, soit psychologique. Ouais, bien sûr. Moi, par exemple, je sais, enfin, je l'ai compris assez récemment, que j'ai des syndromes prémenstruels qui sont ce qu'on appelle dysphoriques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment assez souvent des moments où mes syndromes menstruels me donnent des pensées très, 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 très sombres, quoi, vraiment dépressives, qui peuvent durer une journée ou deux journées. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. Cause the PMS blues. PMS blues. I don't even like myself, but it's something I can't help. Got those God almighty slap somebody. PMS blues. Je précise juste pour nos auditeurs qui connaîtraient pas le terme, le syndrome prémenstruel, c'est le nom qu'on donne à un état dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent quelques jours avant d'avoir leurs règles. Et en fait, on connaît très peu finalement ce syndrome. C'est assez nouveau qu'on en parle. Tout à fait, ouais. Comme la plupart des syndromes qui concernent uniquement les femmes. Les femmes. Voilà, ou les personnes pourvues d'utérus et d'ovaires. Et c'est vrai qu'il n'y a que le cannabis qui vient calmer à la fois les douleurs physiques, les crampes, l'anxiété, la dépression que je peux ressentir. C'est vrai que quand je fume un pétard, ça se relâche, quoi. Ça se relâche tout de suite, ça va tout de suite mieux. Et j'ai eu pas mal recours. Après, moi, j'ai perdu ma sœur à 25 ans, hein, qui est morte dans des conditions très violentes. Et donc, ça a causé du stress post-traumatique. Et le cannabis est venu aussi beaucoup m'aider, quoi. Et de me dire que j'ai traversé toutes ces années sans jamais avoir recours à aucun anxiolytique. Enfin, j'ai jamais pris de Xanax. Les antidépresseurs, c'est vraiment quelque chose dont je me sens pas... proche, le cannabis m'a aidé à traverser tout ça. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et voilà, c'est ça aussi le problème. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là, en ce moment, je suis un petit peu en abstinence. Comme énormément de consommateurs tristes de cannabis, le confinement du printemps dernier a été terrible. Parce que dans un premier temps, on est là, ah, c'est pas mal, on va pouvoir fumer un petit pétard le matin. Normalement, c'est que le soir quand on a bien bossé, puis plutôt le week-end. Et puis là, oh, quand on était là, tout seul dans nos maisons. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et puis petit à petit, ça prend quand même de plus en plus de place. Et puis c'est un ou deux dans la journée. Et puis finalement, comme on est un peu anxieux, un peu stressé par les actus, un autre petit le soir pour dormir. Et puis finalement, la consommation, elle devient en fait très addictive, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui est addictif. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai aussi eu des périodes de ma vie où je sentais que le recours au cannabis comme remède à mes anxiétés avait une limite, disons. Donc en fait, pour résumer, ma consommation de cannabis depuis 25 ans qui est dure, elle est vraiment par intermittence. Il y a des périodes de ma vie où je peux vraiment beaucoup, beaucoup fumer, et puis d'autres où vraiment je le mets de côté. C'est aussi très important que je sois capable de vivre sans, parce que j'ai toujours eu conscience que c'était une addiction, quoi. Papa et maman ont préparé. Papa et maman ont préparé. Des bananes pour le déjeuner. Des bananes pour le déjeuner. Je viens de voir passer un régiment de bananes. Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré, de la culture à la vente au détail. Merci les bananes. Banana Kush, Camille Diao, Christophe Payet. Ces dernières années, avec la légalisation du cannabis dans certains états américains, il y a énormément de femmes qui se sont lancées dans la fabrication de produits à base de chanvre. C'est des endroits où on trouve beaucoup plus de femmes lesbiennes qu'ailleurs. Je pense que c'est vraiment une industrie que les femmes peuvent s'approprier, même si maintenant que ça commence à devenir très lucratif, à mon avis, ça va changer. Qui risque de se passer comme ça se passe souvent, c'est-à-dire que quand il y a un petit marché de niche qui émerge, les femmes s'en saisissent et se lancent parce que c'est un endroit où on peut se lancer sans trop de moyens, etc. Et puis dès que ça devient vraiment lucratif, les hommes débarquent et écrasent tout, et c'est les grosses multinationales qui remettent la main dessus. Felix, how are you? Dink, meet Felix Leiter. Hello. Felix, say hello to Dink. Hi, Dink. Dink, say goodbye to Felix.
Man talk. Donc je pense qu'il y a des chances que ça se passe de la même façon pour le cannabis et que les femmes qui sont pour l'instant un peu les espèces de petites PME pionnières du marché finissent par devenir les consommatrices et les bonnes poires, comme un peu comme d'hab. Hein. Je suis peut-être un peu pessimiste en disant ça, mais d'ailleurs je trouve ça hallucinant comme le CBD est en train de devenir un produit féminin. Je trouve qu'il y a vraiment une dérive vers le CBD qui va venir calmer les douleurs de règles, les anxiétés spécifiquement féminines, même les packages et tout, je trouve qu'ils deviennent très féminins. Ouais, dans le marketing. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la clope, où il y a eu ce documentaire qui était incroyable, là, qui racontait comment on avait un petit peu rendu la clope féministe et j'ai l'impression que le CBD est en train de prendre ce petit virage-là, donc méfions-nous, ne soyons pas dupes. Je voudrais revenir aussi sur ce que tu as commencé à dire au début de cette discussion, à savoir que quand on est une femme consommatrice de cannabis, le regard que les autres portent sur ça est souvent bien plus dur que quand on est un homme. Est-ce que c'est encore moins facile à assumer quand on est une femme issue des milieux populaires, par exemple, ou une femme racisée ? Mais alors, c'est pas une expérience que j'ai, donc je peux pas du tout parler à la place des personnes concernées. En revanche, je sais que en tant que femme blanche, je bénéficie d'un privilège hallucinant par rapport au cannabis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai identifié hyper tôt. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même très souvent dans ma vie, je me suis déplacée en ville avec du cannabis sur moi. J'ai fumé un nombre incalculable de pétards dans la rue en marchant. Je pense, à mon avis, certainement déjà pris l'avion ou voilà, avec du cannabis sur moi. Je pense que c'est quelque chose qui me serait même pas venu à l'esprit si j'étais pas blanche, en fait. Et je me suis jamais fait arrêter. Enfin, si, une fois. Le langage et les scènes de violence contenues dans cette émission pourraient offenser certains téléspectateurs. Je devais fumer devant le Social Club rue Montmartre. Ouais, il y a quelques années de cela. C'était un club assez célèbre à Paris dans les années 2000. Ouais, non, ça n'existe plus, mais c'était sympa comme endroit. Et en fait, il y a un commissariat dans la rue juste à côté. Et moi, je n'avais pas fait gaffe. Et je fumais devant le Social Club avec deux, trois personnes. Et puis, il y a un flic qui arrive et puis qui me voit arriver. Puis moi, vraiment très détendue, je continue de fumer mon pétard, en fait. Et il me dit, mademoiselle, je veux savoir ce que vous fumez. Bravache, j'ai répondu, c'est de la bonne bœuf. et il m'a embarqué au commissariat qui est juste à côté. Il m'a confisqué mon joint et on m'a fait faire une déposition devant le commissaire qui était en fait atterré, qui a dit à son brigadier, je sais pas comment ça s'appelle, policier qui m'avait ramené, genre vraiment t'as que ça à foutre que de me ramener des petites jeunes filles qui fument des pétards dans la rue. Et il avait quasiment rempli la déclaration à ma place en mode on me l'a donné, je sais pas ce que c'est, j'avais jamais fumé de ma vie, voilà, signé là, bonne soirée mademoiselle. Et on m'avait rendu mon joint avant de partir. Bravo la police. Et je me suis dit quand même c'est vraiment ça le privilège blanc quoi. Le privilège aussi de femme blanche, parce que je pense que quand on est une femme, paradoxalement, même si socialement il y a un espèce de stigma, je pense que judiciairement on va toujours considérer que oui bon ça doit être occasionnel, elle a dû se faire influencer par un homme, comme c'est très souvent le cas dans le système judiciaire hein, d'ailleurs pour les femmes. Il y a une forme d'indulgence qui est en fait un paternalisme. Mais bref, tout ça pour dire qu'en tant que femme blanche et avec évidemment cette apparence aisée, bourgeoise que j'ai, je me suis jamais sentie en danger quoi, dans cette consommation, donc c'est intéressant. Ouais. Dans le dernier épisode qu'on a sorti là, sur la question de savoir si la prohibition est raciste ou non, justement, on a Eric, donc, qui est un ancien dealer qui a été condamné, qui a fait de la prison, qui nous parle de Thierry Ardisson et il nous dit bah voilà, moi ça me choque en fait quand je vois que Thierry Ardisson, il a toujours raconté ouvertement à la télé ses expériences avec les drogues sans jamais que ça lui nuise à sa carrière. Et donc, pour lui, qui a fait 3 ans de prison parce qu'il s'est fait arrêter avec du cannabis, et lui en l'occurrence, Eric, il est noir, il y a quelque chose d'extrêmement violent en fait de voir ça, de pouvoir constater qu'il y a des gens qui peuvent se permettre en fait de dire qu'ils font des choses illégales. Exactement, ouais. C'est super intéressant. Bah, je trouve que la drogue, c'est quand même un lieu où la pensée sociologique et intersectionnelle vraiment s'applique de façon hyper intéressante, quoi. Je pense qu'on vraiment le prisme genre, race, classe, par rapport à la consommation de drogue, en fait, il est passionnant. Nick, la radio présente. Il a une banane dans l'oreille. Ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi? Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
t'es journaliste, mais t'es aussi militante. Enfin, est-ce qu'on peut dire, tu te vois comme une militante féministe? Non, je trouve que le mot militante, je préfère le réserver aux personnes qui sont dans les assos, qui font du bénévolat H24. Voilà, moi je me dirais plutôt engagée, et dans tous les cas féministe. Oui. Ouais, un engagement. Alors un engagement et du journalisme engagé. Est-ce que justement, en tant que toi qui as une relation de longue date avec le cannabis, est-ce que ça pourrait être l'objet d'un engagement pour toi un jour? J'ai vraiment beaucoup d'autres doses, quoi. J'ai pas mal de casseroles sur le feu, tu vois. J'en ai presque les violences sexuelles et sexistes, voilà, c'est déjà pas mal. La parité, l'égalité salariale. Enfin bref, on va déjà aborder tous ces sujets-là, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le fascisme en général. Bon. Ça fait beaucoup, là, non ? Mais évidemment, le cannabis, enfin la légalisation du cannabis est portée par des partis politiques qui ont tendance à aussi porter tous ces combats-là que je viens d'énumérer. C'est quand même aussi intéressant. Voilà. Vous avez reçu Benoît Hamon, hein. Je fais partie des 4 personnes qui ont voté pour lui aux dernières élections présidentielles. Il y aurait tout un tas de trucs à déconstruire, quoi. Mais effectivement, quand on comprend que la pénalisation du cannabis est accompagnée en fait, de toute une idéologie raciste derrière, quand on compare la façon dont l'alcool est carrément mis favorisé en France, alors que c'est quelque chose qui est fabriqué, alors que le cannabis est une plante qui existe, que Dieu nous a envoyé pour une raison sur Terre. Enfin voilà, ça peut aussi aller dans des réflexions sur l'écologie, sur le rapport à l'environnement, à la nature, etc. Donc bref, je serais plutôt favorable en tout cas à ce que porte Benoît Hamon et d'autres partis politiques, Europe Écologie Les Verts notamment, sur le cannabis, quoi. Ça semble assez logique en fait. Mais de là à aller manifester pour ça, ça va. Mais ça bouge quand même en France. On a l'expérimentation du cannabis thérapeutique qui a commencé en janvier 2021. Une mission d'information sur le cannabis récréatif portée par des députés. On a de plus en plus de maires, même parfois de droite. De plus en plus de maires de droite qui signent des tribunes dans les journaux en appelant à si ce n'est à une légalisation, en tout cas à s'attaquer au problème du cannabis. Et oui, bah si, à changer en tout cas les politiques pénales sur la question des drogues. Ouais. Est-ce que du coup, toi, tu as l'impression que ça peut arriver dans les mois, dans les années à venir en France, ou tu es un peu plus. Je pense que ça va finir par arriver, oui, je pense que c'est assez inéluctable. Je crois que. Je sais plus, j'ai lu un truc là récemment. Le marché du cannabis aux États-Unis, à prévision pour 2022, c'est 23 milliards de dollars. Donc le jour où ils vont voir ça, ils vont dire « Ah ! Mais si, en fait, on peut parfaitement le légaliser. » Donc oui, moi je suis assez sûre que ça va finir par arriver. Après, ça arrivera aussi certainement avec un renouvellement politique. Je pense que la société aujourd'hui, en tout cas... les plus jeunes sont très 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 différents dans leur approche du monde que cette génération-là. Je crois vraiment que le fossé s'est creusé hyper fort et que le renouvellement de la classe politique, il est inéluctable. J'espère qu'on va y assister prochainement. Je croise très très fort les doigts parce que c'est ça ou le fascisme. Du coup... Mais c'est vrai qu'il y a un changement de grille de lecture par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les partis qui portaient jusqu'à présent la légalisation du cannabis étaient des partis effectivement de gauche, antiracistes, féministes, écologistes plutôt globalement, parce que le cannabis était une question morale et donc ça allait avec tout ça. Et aujourd'hui, quand on voit des maires de droite qui s'engagent, c'est qu'on bascule de la morale à quelque chose de beaucoup plus... concret, en fait. Économique, presque, hein. Concret. Pragmatique aussi, de gestion quotidienne. Bah oui, parce que meilleur contrôle, parce que aussi, c'est aussi éviter que des produits très très néfastes ne circulent. Hein. D'ailleurs, parmi les privilèges que je peux avoir, moi je sais que depuis, 10-15 ans, je ne fume que de la beuh super bio, super bonne, qu'on fait pousser des amis, qui ont des jardins. Enfin, et c'est ça aussi, je veux dire, c'est autre chose que de fumer du shit coupé aux pneus, je sais pas où, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Non, c'est Cloug. Est-ce que tu te sens mieux après ce coming out ? Je sais pas, non, je suis hyper nerveuse en vrai. J'ai une voix dans ma tête qui est en train de me dire, genre, tu te rends compte de tout ce que tu viens de dire ? Faudrait quand même... Non, je sais pas si c'est... Vous pensez que c'est ok ? Non, c'est atroce. Bah oui. Enfin, je pense que c'est normal, si c'est la première fois que t'en parles publiquement, que ça fasse un petit peu bizarre, mais nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est que le jour où l'épisode sortira, c'est-à-dire la semaine prochaine,
Ah oui, quand même. Tu te sentiras genre là, tout de suite. Okay. En fait, on est en streaming, là, on est en direct. En fait, on est sur Twitch, dis bonjour à la caméra. Non, mais on espère en tout cas que tu te sentiras plus libérée d'un poids que stressée. Non, je pense que je serai stressée, mais moi, je suis toujours stressée de toute façon quand je dis ou quand je fais un truc. Mais j'espère surtout que les retours seront bons et si, voilà, si je reçois ne serait-ce que 2 ou 3 DM de meufs qui me disent « ça m'a fait du bien de t'écouter, ça m'a libérée de je sais pas quelle honte je pouvais ressentir », voilà, je me dirais que j'ai bien fait. Viens, c'est fastoche ! J'y vais, mais j'ai peur ! Alors, okay. Aux auditrices de Banana Cush, envoyez-moi des DM à Lorraine Bastide. Bah, merci beaucoup pour cette discussion, c'était passionnant. Merci, merci à tous les deux de m'avoir reçu. Alors, je voulais juste dire avant de conclure, tenir un peu nos auditeurs au courant de ce que tu fais en ce moment. Donc, il y a la nouvelle saison de ton podcast La Poudre qui est en cours. Là, vous avez La Poudre. Le podcast s'est un peu réorienté. Maintenant, c'est plus des militantes et militants, des chercheurs, chercheuses. Et cette saison, c'est surtout chercheurs, chercheuses. Ouais. Une saison qui est axée sur la recherche en études de genre, qui est attaquée de toutes parts, notamment de la part du gouvernement. Hein. La sociologie et la pensée intersectionnelle sont à la source de tous les maux actuels, selon eux. Donc, je trouve ça hyper important de donner la parole longuement à ces chercheuses. Et je m'éclate. Elle est super, cette saison. Aussi parce que toi-même, tu as repris des études que tu as dû terminer maintenant, mais au moment où tu as commencé La Poudre, tu t'es replongée, enfin t'es retournée sur les bancs de l'université. Un petit master, on est tranquille. Tranquillement. Et puis il y a aussi le livre du coup de La Poudre, une collection d'entretiens tirés du podcast retranscrit donc dans un joli livre rose que Christophe a offert à son petit frère pour Noël. Oh génial, ça fait tellement plaisir. Donc voilà, entretien avec toi d'Alice Zénitaire, de Delphine Horviller, Mona Chollet, Pénélope Bagieux ou Iseut, encore avec une jolie couverture rose poudrée comme le podcast, donc vous pouvez pas le rater dans les librairies indépendantes où vous le chercherez. Exactement. Et le tome 2 sort en avril. C'est La Poudre, je répète le nom. Donc merci encore Lorraine, tu restes avec nous le temps du générique. Ça marche. Et on se retrouve. On se retrouve pour la traditionnelle banane de fin. À trop bien. Tout de suite. Banana Kush. Une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie. Camille Diao. Manger la banane, parler de vous. Christophe Payet. Alors j'espère que vous avez compris. Si ça vous a fait du bien d'entendre ce coming out de Lorraine Bastide, dites-le lui et dites-le nous. Après cet entretien, Lorraine a pu retrouver son nouvel amour, Robin, son magnifique chiot qui était interdit de studio malheureusement. Alors merci beaucoup à Renaud, notre papito du podcast Faya, pour le dog-sitting. Il a l'air mort ce chien. C'était donc le 22e épisode de Banana Kush, Camille et Christophe au micro, Charlène Nouilloux à la réal. On se retrouve comme toujours dans 15 jours, restez bien à l'écoute jusqu'à la fin pour ne rien rater de la banane de fin. Lorraine Bastide les aime-t-elle bien mûres ou plutôt vertes? Fin du mystère après le générique. Salut. Blanche-Neige, Sticky, Trip & Joint, Hervé Voyage au bout de... L'acide lysergique dithylamide et la nuit. Eh bien, nous voilà maintenant dans la traditionnelle séquence de la banane de fin. Lorraine Bastide, nous allons donc te soumettre à cette question qu'on pose à tous nos invités. Voici une banane jaune et voici une banane verte. Je sens que je vais craquer. Laquelle tu veux ? Je vais craquer. Ah bah je vais prendre la verte. J'ai craqué. Attention, il n'y a pas que du CBD dans cette banane. Je la garderai pour plus tard. Ouais, on veut pas non plus briser ta période d'abstinence. En tout cas, on te la laisse avec plaisir et franchement, on l'associe à la banane jaune. Mais oui, c'est sympa, vas-y. C'est bien le magnésium. Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. Banana, 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 banana. 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 Banana, 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 banana.
cette chanson, je vous assomme tous.